putain, what the fuck, il bine pas ses items. Et clairement, ça va être un peu compliqué à jouer. Waouh! Waouh, attendez. Ok, nanana. Non, c'est pas ça. Ok, alors là, faut que je fasse attention. En fait, je vais me faire défoncer la gueule là. J'avais oublié que c'était du full shaco. Bon, je vais pas farmer, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, là, il va y avoir du shaco de ouf. Ah bah voilà. Je le savais. Bon, je regardais pas mon écran, sinon j'aurais peut-être pu sauter plus vite. Mais clairement, je l'ai senti, mec. Hein. Prends-moi pour un pigeon. All in the box. Je te connais par cœur, mec. Putain, what the fuck. Ah merde, ça a pas marché. Oh. Ok, ça va marcher là. Hey, Deagle, easy man. Push Malay. Deagle, allez, bim. Bon, le collègue Shaco, il est pas remonté au top, donc il est sûrement encore chez moi. On va faire attention à la smoke ici. Donc on rappelle, le joueur va pouvoir smoker à distance. On va voir la smoke même dans le fog. Donc dans le brouillard de guerre. Il est niveau 3, il a la double. Enfin, il a un red buff. On va éviter de faire le mariole. Est-ce qu'il joue à D ou AP? Il joue à D. Donc quand il m'envoie sa dague, il faut que je me retourne au dernier moment, histoire de réduire les dégâts de 20%. Parce que les 20% d'augmentation de dégâts, ça marche sur les autos, ça marche aussi sur les sorts. Donc quand il vous envoie sa dague, bah retournez-vous et vous prendrez moins de dégâts. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'intérêt à jouer aggro. Il a encore le buff pendant la moitié, ou pendant encore 2 minutes, je vais me toucher un petit peu. Ça y est, le collègue solo top, l'autre collègue est reparti au top, il joue probablement avec le châtiment. Alors je la connais pas trop. Alors Shock City, ça doit être le solo top du coup. Enfin le solo top, celui qui est en haut. C'est lui. Donc moi le mec qui est en face de moi, c'est pure skill et il joue en brase, ok. Alors l'early game de Shaco est vraiment très fort, mais ça s'essouffle quand même beaucoup. Donc si jamais il n'arrive pas à... Bon, ils ont pas réussi à me buter. Ils m'ont fait quand même claquer un flash, les coquins. Effectivement, je pense qu'ils sont en train de souiller notre jungle. Mais limite, on s'en carre. Pour l'instant, on est un peu leur bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-h. Ok, petit lol, Nexus de cette game. Oula, merde. Ok, je me connecte en même temps. Aux collègues au Twitter. Ok, donc c'est un diamant 3 en face de moi. Ok, ça se voyait qu'il avait l'air, il avait l'air d'être pas mauvais. Oula, oula, oula. Ça par contre, je ne peux pas suivre ce move. À vous de bien jouer les potes. Vous les avez, vous les avez. Vous faites pas brain. Soyez prudents les potes. Ah merde. Donc ici qui a le first blood. C'est Shock City. Ok, je vais décaler. On va se connecter également à Twitter. Ok. J'arrive mon ami. Je suis là. Chopons-le. Chope la gazelle. Il va jump. Évidemment, je sais où il a jump. Et ballon. Un petit slow. Le slow qui proc. Malheureusement, je suis pas en range. Il vient de battre. C'est pas grave. Au final, c'est plutôt worth it pour nous. Hein. Un trade kill. Bon, un trade kill. Qui leur coûte le double buff, qui nous coûte quand même malgré tout. Oula. Alors, tac. Je vais mettre de la musique, les potes. Petit radioactive. Ok. On retourne au mid, on a le jungle. Enfin, le jungle, le mec qui a le smite. Dites-moi si vous avez le son du jeu, les amis, ou pas. Très bien. Est-ce que vous avez le son de la musique? Normalement, je pense que oui, parce que tout à l'heure il y était, à moins qu'il y ait eu un bug. Pas très fort, d'accord. Vous avez les deux, d'accord, ok. C'est juste que j'ai peut-être un peu trop baissé. Oh merde, le gamin, putain, je regardais pas. Ok, dis-moi si le son de la musique est trop fort. Là, il va me tower dive. Il va y avoir une prise d'aggro d'un joueur, pendant que c'est l'autre qui va me tuer. On va améliorer le E. Ok, donc là j'ai le jump en long range. J'ai double buff, j'ai un fufu. Oh, donc là l'autre il a sauté aussi, faut reculer. Je suis présent mec. Chopped, l'autre il va être là. Alors on va mettre du son parce que moi non plus j'ai pas de son. Okay.
Alors je pense qu'il l'a chanté, il a dû le modifier dans le mélangeur. Ah ouais, clairement ouais. Est-ce que vous avez le son du jeu là maintenant? Parce que moi je l'ai. Si je vous coupe. Ok, donc en gros vous attendez la même chose que moi, hein. J'avais pas de son non plus dans le jeu. Il avait vraiment beaucoup diminué en mélangeur. Moi je joue avec du son, je n'aime pas jouer sans son. Bon là, je veux dire, le son chez moi est fort, hein. Trop fort le son du jeu. Ok, bah il est trop fort chez moi aussi, donc c'est cool. Ok, les potes, on est contre un champion qui a des dégâts sur le temps. On va prendre du coup un vampire accepteur pour pouvoir tenir la lane. Donc là, normalement, le joueur, même s'il est diamant 3, il est trop dans la merde. C'est un joueur peut être fort comme il veut, si jamais il a beaucoup de retard, il est cuit. Hein. Vous revenez dans la game sur les erreurs des adversaires, mais vous ne revenez pas forcément par votre skill sur des personnages qui malheureusement, bah, chaque coup pour tuer quelqu'un, ça obligé de se foutre dans la galère. Hein. Il pourra pas le tuer en étant en range. Là, il mise au mid et il va peut-être essayer de décaler. On va partir sur un Tiamat parce que ça va décaler. Shaco bot, lol. Ok, il est bien bot comme prévu. On my way. Attendez-moi les potes. Oula, il y en a 3. Saute. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Ok, je les tue en vol. Ok, on en a eu 2. On va reculer là. Ils sont quand même nombreux. Ils sont 2 quoi. Il a plus de mana. Donc lui c'est forcément le vrai. On est sur double clone là. Allez salut. Kiss mec. Je crois qu'il est déçu. Il avait plus de mana. Il pouvait pas faire grand chose. Fallait juste que je me fasse pas tuer par le vieux clone. Donc petit croix droit les potes. Ils ont pris cher. Bon là je pense que la game elle est finie. Parce que là quand je vais back, je vais arriver avec un bazooka de ouf. Ah par contre faut faire attention parce que les clones, ah, faut être au taquet quoi sur les clones parce que là il y a quand même 4 clones. Désolé, je taxe un petit peu mon pote. Là c'est pour pouvoir snowball. Je vais maxer mon E en deuxième je pense. J'ai monté mon Z mais... Ah non c'est bon, je crois que j'avais fail. Non c'est bon, donc je vais monter mon E pour pouvoir réduire le cooldown. Je sais que quand je prends un reset, bah je le récupère. Mais le but ça va être de pouvoir récupérer le reset avant... Enfin... Pour récupérer mon sort sans avoir besoin d'un reset. Oula, il a fait n'importe quoi lui. Il est niveau 5. Ok, on est parti. Donc normalement ça devrait être pas mal là. Parce que là on est bien feed et ils arrêtent. Je pense qu'ils vont avoir du mal à arrêter un Kha'Zix bien stuff. C'est un personnage qui snowball beaucoup donc là ils vont clairement prendre la bite. Merde, c'est bon je l'ai eu. Ok, ça va checker notre bleu, on va décaler. Je n'ai pas de ward mais j'ai la petite ward. Pas comment ça s'appelle, la relique, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a le jungle qui a le Shaco jungle? Ouais, donc il est là le Shaco jungle. Donc là, bon, on voit lequel est le vrai. Oh, il a eu chaud, mon poteau. On va essayer le jump pour essayer de le tuer avant. Il a jump out, donc clairement il doit être par là. Il est très très low HP, je dirais. Ah bah d'ailleurs il est là non? Ah il est là mon copain. 400 PV donc clairement si je le touche il est mort. Le problème c'est que il peut me voir. Hey, hey. Clairement il a failli mourir hein. Attention à toi mon ami, attention à toi. 4 secondes pour mon E. Le sort limitant. Il y a les box, ça fire en plein vol. On va le brain. Ah. Fake recall, 8 secondes de recall, j'ai 8 secondes sur mon sort. On va devoir le cancel avec mon E, avec mon Z. Il n'a pas de mana donc il va mourir. Après il pouvait rien faire je pense. Il avait plus de flash puisqu'il l'avait claqué avant. On va se barrer, c'est qui ça? Il a quoi comme stuff? C'est un AP ou un AD? C'est un AD, il a de l'armor donc il a pas de dégâts. Donc je crains pas forcément. Ah par contre il a un embrasse, faut quand même que je fasse gaffe. On va le tuer en deux temps. Il a ult, on va aller se régène. Évidemment c'est le faux. Ça vaut quand même 25 boules hein.
On est désolé, 25 gold, c'est 25 gold. Ok, on l'a fait flasher. Merde. On va essayer de récupérer le kill. On va faire le tour. Ah, c'est chaud quand même. J'ai bien envie quand même. Allez, on va faire le beau jeu. On fait le beau jeu. On fait le beau jeu. Mon collègue SD Hunter. Donc si, faut que je sois beaucoup plus rapide que lui. Oh là, par contre. Hé. J'ai eu peur quand même. Bon, lui, par contre. Oula, il a sauté sur moi. On l'a vu. Là, c'est l'impact du Shaco. Oula, oh le gamin. Ok, on l'a level up. On va améliorer le R pour pouvoir réduire les dégâts. Ok, je l'ai touché. Oh merde. Ah, c'était chaud. J'ai touché sans la vision, mais ça suffisait pas à pouvoir me guérir suffisamment. On va prendre ça, on va prendre des boots. Et là, c'est bon, je pense que je suis plutôt pas mal. Ah, dommage, bien tenté. On va jouer sérieux quand même pour éviter de les feed. On va faire, à mon avis, une occulte. Puisque je pense que de toute façon, je récupérerai des kills. Je vais enlever ma veste parce que j'ai vraiment chaud. Il fait super chaud ici. Tac, hop là, tomber la chemise. T'as quel homme. Je blague. Alors, on est parti. Hop là. Alors là, je retourne sur l'action là. Malheureusement, on peut pas prendre de reset sur les clones. C'est pas considéré comme des champions. Ça a été un peu pété. Mais ça marche pas. Dommage. Dommage. Oula. Oula, je suis pas là, mec. Ok, faut checker ceux qui vont. Donc lui, il vient utiliser sa smoke. Et je crois que c'est Smoke City machin. Donc on va essayer de chercher la même personne. Allez, on s'amuse. Ok, l'autre il va aller par là. Ok, l'autre il doit aller par là. Ah non. Il est là-haut. Ah non. Ah si, c'était lui. Fuck my life. Je pensais qu'il allait vouloir se barrer vers un suicide. Bon, il est mort. On a eu les 4. Ouais, honnêtement, ça va être compliqué pour eux. Hein. Je suis vraiment très feed. Donc là, on va voir League of Snowball. Hein. Une fois que vous êtes feed à LoL, honnêtement, pour perdre, faut vraiment le faire. Ah, je pense que c'est lui le vrai. Ah non. Ah, gamin. Well played. Par contre, il va être déçu. Je l'ai eu. Malheureusement, il y a un cooldown assez long quand même sur le A de Shaco. Heureusement, sinon ce serait un peu pété. D'ailleurs, faut que je fasse l'occulte. Occulte, allez, occulte. On va cut les sbires. On va les grouper, on va grouper les sbires mêlés dans les sbires range. On voit que la tour elle a 2 PV, donc on va finir la tour. Et on back, on va faire son occulte, on va reprendre une épée. Et là, je vais pouvoir. C'est facile de convertir 9 kills en 13 kills. Le plus dur, c'est de faire les premiers kills en fait. Quand vous avez 3-4 kills, c'est facile de les convertir en 8 kills. Et quand vous avez 8 kills, c'est facile de les convertir en autre truc. Il vaut mieux faire un 8-3 que un 3-0. Parce que un 8-3 en début de partie, c'est facile à convertir en genre 13, 14, 15 kills. Et du coup, carrer la game parce que vous allez one-shot les mecs en face en fait. Par exemple, lui, si je tombe dessus, bah c'est le diamant 3. Si je tombe dessus, clairement, il est mort. Donc là, il va jump out. Et là, faut que je devine où il va aller. Je pense qu'il va monter vers le haut. Vers un bush. Non, même pas. Ah, what the fuck, c'est qui ça? Oula, lui il a vraiment FF mental le mec. Bon, je pense qu'il a l'air d'avoir FF. Ok, bon là ils sont en full FF. Bon, je pense qu'ils ont abandonné. Enfin, en tout cas psychologiquement, ils sont plus là. Donc là on a vu les dégâts que j'ai. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont abandonné, c'est parce qu'ils savent que mon avis ils ont perdu là. Ça snowball beaucoup trop, League of Legends, on est là donc assassin contre assassin. On va les bots. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent plus gagner. Hein. Il va smoke. Ok, il y a eu la smoke ici. Oh, joli warp. Parce que souvent, le Shaco a tendance à vouloir en fait sauter et à ressauter dans le même bush pour faire une feinte en fait. Bon, j'ai occulte les potes, désolé. Occulte oblige. Oh, je t'ai vu toi. Ok, la botte de Bobby. Ah, ça y est, les mecs sont. Donc on est sur 5 pré-mails en face. Bon, ils ont clairement abandonné, je pense. Ils ont perdu le moral. Oh lol.
Ah, clairement ça marche pas mec. Bien tenté mais non. Je t'ai vu. Là je pense qu'il est pas safe. On va se séparer. Il a boxé. Est-ce que c'est la nouvelle box? Celle-là elle est nouvelle la box. Vous avez vu, elle était full life. Elle était full durée. Du coup elle venait d'être posée. Donc là c'est le vrai. Bon, je vais peut-être acheter des bottes de mobilité pour essayer de les toucher. Parce que si je les touche, ils sont morts. On va aller voir mon collègue là, Steve Jones. Ça ressemble un peu à un mec qui fait des... Oh, suffisamment rapide. On va descendre parce que comme je suis parti vers le haut... Ah, non, pas mal. En général, quand vous partez dans une direction, le Shaco essaie de changer de direction et partir de l'autre côté. Mais son saut a quand même une portée. Oula. Oula. Dangereux là. Je vais essayer de me guérir. Hey hey. Je suis à 8 stacks. Je sais pas où il est d'ailleurs. Où es-tu mon ami? Serait-ce la bleue que je vois là? C'est la bleue. Ok. Donc en tout cas, si je jouais contre une composition full Shaco, faites attention en early game comme on avait fait, parce que c'était assez sûr qu'ils allaient gank, etc. Et si je m'étais fait tuer niveau 1 et puis après, genre je serais revenu, je me serais refait tuer, la game aurait été totalement différente. Hein. Ça snowball beaucoup. On va le faire sauter. Sneaky mec, sneaky. Ah. Where are you bro? T'es là. Salut. Bon, clairement s'il passe par une ward, bah c'est plus compliqué. Finissons la game, je pense qu'ils vont se render honnêtement. On va cut les sbires, donc on va pouler les différentes lanes, la bot et le mid sur moi, du coup ça va pusher le bot et le mid. Pour finir la game, faut cutter les sbires, au moins les sbires range, c'est les sbires range qui font les dégâts, les sbires mêlés ça tank mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, si vous laissez les sbires mêlés, ça va stacker les sbires et ça va en fait, au lieu d'envoyer une vague, ça va envoyer deux vagues en même temps et du coup c'est presque encore pire en fait. C'est au final ce qu'on appelle un slow push, donc vous pushez lentement la lane et du coup vous stackez énormément de minions. Là vous voyez que les minions vont se stacker en fait, ça va ralentir cela et ça va les stacker avec la prochaine vague. Et vous pouvez du coup de la sorte stacker jusqu'à 2 à 3 vagues. Et quand vous faites un slow push, l'idéal est d'en aller à l'opposé. Parce qu'un slow push c'est facile à contrer par un carry AP, genre Gragas par exemple, il met un Q de spell et il one shot la vague. Mais si vous êtes à l'opposé, bah le Gragas va devoir aller au top, donc va devoir aller à l'opposé de là où vous êtes. Et du coup vous allez pouvoir engager en 4v5. Donc ne restez pas avec le slow push, allez partez sur un objectif à côté ou quoi pour forcer les mecs à se barrer. Oh god. Fallait pas mourir. Malheureusement ils ont arrêté de jouer. On aurait pu sinon facilement se stacker. Est-ce que t'es là? Oh, oh putain la portée de bâtard. Bitch please. Ah, je me suis fait saucer un truc de ouf. 4 secondes pour mon collègue, 3 secondes, 1 seconde, 7 il part. Ah bah non. GG. Bon les astompes, on avait dit qu'on allait faire une 25 minutes. Au final elle a duré 21 minutes. Donc là comme item je serais parti sur de l'armor pour avoir de la résistance. Et GG. Ah, ça suffira pas, ils vont pouvoir défendre mais bon. Quoique, je suis même pas sûr qu'ils arrivent à défendre, on va voir. Là ils vont poser des box ici je pense pour essayer de casser le focus. L'avantage c'est que les sbires ne tapent pas très fort la base. Parce que bon, si vraiment il appuyait 340 à un truc qui a 800, il se faisait des pops. Mais heureusement, les sbires ne font pas beaucoup de dégâts au Nexus. Sinon ça ferait beaucoup trop de dégâts. Hein. Imaginez. Oh ils ont surrender. GG, well played les amis. Donc c'était Skyheart pour une petite game ici. All for one avec des viewers. Avec des viewers contre des gens qu'on ne connaît pas. Donc évidemment je ne sais pas qui c'est.
Pardon, excuse-moi, je ne sais pas qui c'est. Il y avait grosso modo en face en termes de niveau. J'ai vu qu'il y avait. Bah, le mec en face de moi c'était un diamant 3. Les autres, je ne sais pas. Je vais regarder. Enfin, j'ai pas trop fait gaffe. Ah merde, je suis plus dans la game. Du coup, je ne sais plus. Bon, en gros, je sais pas en fait. Bon, si, ça devait être du gold, platine, diamant 3, je pense, un truc comme ça. Bref, donc c'était une game qui a beaucoup snowball. Il pouvait plus rien faire à la fin, je pense. C'est malheureux dans LoL, au bout d'un moment, on peut plus forcément faire grand-chose. Bah, merci les potes. Tech, merci les bros. Merci aux copains, je vais vous honorer. Et on se retrouve dans 4 minutes, juste après, pour probablement une ranked, donc diamant 1. On continue à monter, etc. Et on enchaîne avec une game commentée d'un viewer. Donc en l'occurrence, je prendrai au sort parmi les gens qui ont commenté ce post ici, donc parmi les 267 personnes, je prendrai quelqu'un au pif et on commentera sa game en ranked. Donc on essaiera de mettre en évidence les erreurs classiques, etc. pour que tout le monde puisse progresser. Donc on se retrouve juste après. À tout de suite, 4 minutes de pause, les gars. Et en tout cas, merci d'être aussi nombreux à me rejoindre sur Facebook. On est plus de, je sais pas, on est plus de 5600 sur la TV. Et on est plus bientôt 39 000 sur mon Facebook. Ça fait super plaisir. On se retrouve juste après. Pareil, vous avez également mon Twitter, skyart.skyart tout court d'ailleurs, effectivement. Donc on se retrouve les amis juste après la pause. À tout de suite.